Rebonjour, merci de nous rejoindre pour cette avant-dernière séquence donc, d'Engage 2021, cet événement que propose Skippers depuis ce matin 9h. On a abordé beaucoup de sujets, on va maintenant parler du ROI, de l'engagement client avec nos quatre intervenants qui sont présents avec nous à distance. Tout d'abord, Aurore Benier qui est cofondatrice et COO de MyFeedback. Bonjour Aurore. Nouvelle venue, nouveau venu en tout cas MyFeedback dans la galaxie Skippers, on y reviendra dans un instant. Julien Chevalier, le CEO de Tister, bonjour Julien. Bonjour Stéphane. Thierry Aubert, rebonjour Thierry, CEO de Mediatek CX. Et puis Julien Raymond, le CRO de Skippers et qui là représentera notamment Avis Vérifié pour évoquer aussi cette solution, réévoquer cette solution. Bonjour Julien. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Alors comment mesurer le ROI de l'engagement client? Sur quels indicateurs? Vous allez nous éclairer notamment à partir de cas clients. Mais d'abord, je voudrais qu'on donne la parole à MyFeedback afin qu'on vous connaisse un peu mieux, puisqu'on a appris hier par un communiqué que Skippers donc, avait acquis cette belle start-up toulousaine. Vos clients s'appellent Fnac, Nux, L'Oréal, Maison du Monde, Société Générale, Groupama, Le Figaro, SNCF, Airbus et j'en passe. Vous avez 150 clients grands comptes. Donc, vous proposez d'enrichir la connaissance client, mais comment exactement, Aurore? Alors, déjà, on est ravis de rejoindre la grande famille de Skippers. C'est une étape importante pour la société et on est ravis que ce soit en si bonne compagnie. On parlera certainement du rapprochement un peu plus après. Donc déjà, qui nous sommes? Donc MyFeedback, c'est une société que nous avons créée en 2012 à Toulouse, qui est composée d'une trentaine de salariés aujourd'hui. Et notre métier, c'est l'édition logicielle. Donc notre force, c'est d'avoir créé un produit qui a pour ambition de permettre aux entreprises d'être parfaitement autonomes dans la collecte du feedback client, dans la mesure de l'expérience client grâce à ce feedback client collecté et dans l'activation de ce feedback. Donc, très concrètement, nous permettons à nos utilisateurs en autonomie de créer des questionnaires qui vont être des questionnaires très puissants puisqu'ils vont avoir une capacité d'adaptation et une hyper-personnalisation très forte, ce qui va permettre d'engager des taux de réponse extrêmement importants par rapport aux moyennes du marché. Donc ça, c'est notre première mission, permettre de collecter un maximum de feedback client pour avoir de la matière. Et la deuxième mission de la plateforme, c'est d'activer ce feedback, donc le permettre aux entreprises d'intégrer ce feedback dans l'écosystème logiciel, notamment des entreprises, de façon simple, sans développement technique, pour leur permettre d'alimenter directement leur base CRM, leur base marketing ou encore leur outil de service client. Quand vous dites questionnaire, Aurore, c'est-à-dire que c'est le client qui crée des questionnaires ou c'est vous qui avez un logiciel finalement qui génère automatiquement des questionnaires en fonction de critères émis par la marque? Comment ça fonctionne? Alors, c'est la marque qui va être autonome pour créer ces différents questionnaires. Ce qui est important fonctionnellement, c'est qu'on a deux grandes forces, et notamment sur les parcours digitaux. Ça va être d'une part la capacité à déclencher le questionnaire au meilleur moment sur le parcours, de façon très chirurgicale, en fonction de l'ensemble des informations disponibles dans un data layer, mais aussi en fonction des comportements de souris, et en établissant des scénarios qui vont permettre de cibler des parcours et des étapes du parcours extrêmement précis, puisque plus nous sommes à chaud. Excusez-moi, Aurore, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple en même temps pour qu'on comprenne, par exemple, sur un parcours d'achat, allez, je sais pas, on achète une souris sur un site quelconque. Qu'est-ce qui se passe, par exemple? À quel moment le questionnaire est envoyé, en fonction de quels critères? Alors, donc ça, c'est la marque qui va décider. Et généralement, on est aujourd'hui ici pour parler de ROI. Pour réaliser ce type d'objectif, on va permettre aux entreprises de déclencher le questionnaire quand la personne va avoir émis en panier et réalisé une intention de sortie, c'est-à-dire la souris va quitter le site. Et à ce moment-là, on va permettre de déclencher ce questionnaire de façon intelligente. Et donc ça, c'est hyper puissant puisque plus nous sommes à chaud, plus nous avons la capacité à engager le client final sur le questionnaire et à collecter son feedback pour ensuite l'activer et l'amener à la transformation. Donc, c'est grâce à vous qu'on reçoit des mails où on nous dit « votre panier vous attend, vous n'avez pas fini de… » Voilà, c'est ça.
Voilà. Et donc, ce que MyFeedback va apporter dans ce type de dispositif, c'est vraiment la prise en compte du feedback client, puisque sans ce type d'email de relance de panier vont être un peu numériques. Et ce que va permettre MyFeedback, c'est de comprendre la raison principale de l'abandon et d'utiliser cette raison pour personnaliser les messages de relance et maximiser la transformation derrière. Avec quel résultat, par exemple ? Vous pouvez nous donner un exemple d'un client sur lequel, effectivement, les paniers abandonnés par les relances questionnaires ont permis de générer beaucoup. D'achat. Oui, alors je pense dans le monde de la presse, qui est un secteur qui a connu de grandes mutations ces dernières années, qui a dû se renouveler. On a le plaisir de travailler avec des acteurs comme Ouest France ou comme Le Figaro. Et sur ce type d'acteurs, on réalise plus de 50% d'abonnés en rattrapant des visiteurs au moment où ils quittent. Ils n'avaient pas finalement l'intention de s'abonner directement. Et avec la prise en compte de leur feedback, on arrive à améliorer considérablement cette transformation. Je pense aussi à des acteurs dans l'assurance ou dans la banque que nous accompagnons aussi énormément, qui vont plutôt travailler sur des parcours de devis en ligne ou de souscription en ligne. Et là, un chiffre aussi important, c'est plus 15% de ventes sur les parcours digitaux grâce à ce type de dispositif. Et pourquoi finalement le client ne prend pas ça comme, j'utilise un mot très fort forcément, mais de harcèlement, c'est-à-dire il a laissé son panier ou il a laissé son devis et il est relancé par un questionnaire, qu'est-ce qu'il fait ? Et à un moment donné, il y retourne et que ce contact finalement avec la marque fait qu'il va justement finaliser son achat. Qu'est-ce qui se passe dans son esprit en fait ? Bah c'est pour citer voilà Pascal qui fait partie du groupe Skipper et avec qui nous partageons très fortement cette vision, je pense que la notion de reconnaissance elle est extrêmement intéressante puisque le client on va lui proposer de déclarer son avis et la raison de son abandon qui peuvent être très multiples, hein. Ça peut être un manque d'information lié à de la livraison, ça peut être une raison de prix, ça peut être aussi des documents qui manquent et en fonction de cela, on va pouvoir adapter la réponse et l'action de l'entreprise qui va accompagner vers la transformation, qui peuvent être multiples. Donc, ça peut être un appel du service client qui va l'accompagner à transformer, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus directes et moins coûteuses, comme un email, une redirection vers une page qui va offrir plus d'informations. Et je pense sincèrement que c'est cette prise en compte de la vie effective à chaud et en temps réel qui montre au client que la marque est soucieuse de ce qu'il pense, de son expérience et qui facilite derrière la transformation. Bon, je vais donner la parole au Julien et à Thierry dans un instant, mais juste un dernier mot sur votre intérêt à vous, MyFeedback, de rejoindre Skippers aujourd'hui. Pourquoi maintenant finalement ? Est-ce que parce que vous étiez à un stade de votre développement qui nécessitait finalement de rejoindre un groupe plus important ? Alors, effectivement, nous, aujourd'hui, on avait des ambitions très fortes européennes qui ont trouvé un écho auprès des dirigeants du groupe Skipper et des personnes qui sont ici présentes. Donc, ça a été déjà un alignement des ambitions. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on avait une place assez forte sur le marché français et ce qui nous semblait très intéressant, c'était de nous allier avec Mediatek sur ces sujets de la customer experience, qui a aussi une place majeure sur le marché français. Et on s'est dit assez naturellement qu'à deux, ce serait une très bonne base pour réaliser ces ambitions européennes. Voilà. Et puis aussi, humainement, c'est une équipe formidable avec qui nous avons déjà commencé à travailler et mis en place des synergies sur l'accompagnement des clients et aussi sur la partie produit. Et en fait, une chose aussi qui nous tient fortement à cœur, ce qu'on fait depuis le début, c'est permettre à nos clients d'avoir l'ensemble des technologies aujourd'hui du marché pour la bonne réalisation de leurs projets et participer pleinement à leur croissance. Et ça nous semblait être une très bonne idée de rejoindre ce groupe qui a pour ambition de créer un acteur européen, voire mondial, sur l'engagement et l'expérience client. Question à Julien Raymond, puisque c'est vous qui représentez là, en l'occurrence le Skippers. Quel est l'intérêt pour vous, en tout cas, peut-être que Pascal nous reviendra aussi en conclusion tout à l'heure, mais de cette arrivée de MyFeedback chez vous ? Aurore l'a bien exprimé, hein, nous sommes un groupe là et on veut aller très loin pour répondre aux besoins des clients. Donc là, c'est clair qu'avec MyFeedback, on va encore plus loin pour répondre aux besoins d'omnicanalité de nos clients avec une vraie expertise digitale qu'a pu mettre en avant Aurore. Après, c'est certain aussi que dans le groupe, on a Mediatek qui est reconnu pour sa capacité de conseil, d'animation d'équipe à grande échelle avec beaucoup de cas clients qu'on aura sûrement l'occasion de partager là aujourd'hui.
Et puis finalement aussi, les synergies dont parlait Aurore, elles se font avec Avis Vérifié. Et elles sont extrêmement fortes parce que Avis Vérifié, voilà, renforce son offre et va pouvoir aussi aider ses clients et via MyFeedback à faire connaître en fait un maximum d'avis clients au plus grand nombre. Et justement, via la publication des avis, hein, on aura l'occasion d'en parler à travers des cas clients et du ROI justement qu'on génère grâce à la publication des avis clients. Et Stéphane, votre commentaire, il était très bon parce que, je veux dire, aujourd'hui, les Français, voilà, ils ont de moins en moins confiance quand même aux marques. Hein, c'est aussi, je veux dire, la crise qui a renforcé ça, mais on le voit aussi avant la crise avec des succès comme l'application Yuka, hein, qui vérifie la composition des produits et qui fait qu'ils ont une très belle audience aujourd'hui sans harceler les gens, puisque c'est justement les consommateurs qui ont envie de contribuer et d'accéder à ce contenu-là. Donc, c'est clair que les avis clients, en fait, on a l'impression parfois de cette surpression, mais les clients aujourd'hui, ils ont envie de reprendre le pouvoir, de reprendre justement confiance dans les produits et dans les marques. Et ça passe par les avis clients. Donc, c'est vraiment ce qui rassemble voilà, toutes les solutions, hein, de toute façon, d'être proche des clients et de leur permettre aussi de s'exprimer. Voilà. Thierry, tout à l'heure, ce que nous a décrit Aurore, c'était à un moment donné, jusqu'à ce qu'elle évoque les questionnaires, on était finalement exactement, pratiquement sur la même solution que ce que propose aujourd'hui Mediatek. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mutualiser les R&D chez vous, hein, entre MyFeedback et Mediatek CX, et effectivement proposer des offres communes. On y reviendra peut-être plus en détail tout à l'heure. Alors, oui, c'est bien l'objectif. Hein. Comme le disait tout à fait Aurore, les deux solutions, la plateforme Mediatek CX et la plateforme MyFeedback, sont les deux solutions les plus reconnues sur le marché en France aujourd'hui. Pardon Thierry, on a un petit problème avec votre micro qui sature. En fait, on ne vous entend pas très bien. On peut peut-être faire refaire un essai. Est-ce que c'est mieux ainsi? C'est pas génial, hein. C'était mieux ce matin, Thierry. Je sais pas, attendez. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ça sature pas mal. Ce que je vous propose, c'est peut-être de changer de micro, Thierry, si vous pouvez, le temps que. Et je vais aller voir Julien Chevalier pour vous changer éventuellement de micro, si vous pouvez. Chez Tister, alors racontez-nous un peu comment vous mesurez la performance de votre solution. C'est quoi? C'est le temps de visionnage? C'est le nombre de vues? C'est quoi finalement les repères pour vos clients? C'est tout ça et c'est plus encore. Alors je rappelle en deux mots ce qu'est Tister, qu'on comprenne le contexte pour ceux qui nous rejoignent juste maintenant. Tister, c'est une plateforme de vidéos consommateurs. Donc on travaille avec des marques et des distributeurs pour engager leurs clients dans la création de vidéos. Et ensuite, on vient diffuser ces vidéos sur les fiches produits des sites e-commerce, les réseaux sociaux et globalement tout support de communication. Donc effectivement, on est capable de mesurer, comme vous le dites Stéphane, les vues, l'engagement, etc. Et on vient aussi mesurer la conversion. On peut être regroupé en fait ces datas. On a une première partie qui est liée à la visualisation. Donc on vient déjà mesurer le taux de visualisation, c'est-à-dire que ceux qui lancent réellement la vidéo sur une fiche produit. Et ça, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un acteur qu'on a accompagné depuis la création de Tister qui mesurait déjà cette stat, c'est-à-dire que ceux qui, lorsqu'ils ont une vidéo présente sur la fiche produit, lancent réellement cette vidéo. Donc, ça nous a paru assez dingue, c'est une réalité, même avec des grands clients comme Decathlon, Laura Merlin, Malmano, etc. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant déjà de voir l'intérêt des consommateurs pour lancer des vidéos dans leur parcours. On vient ensuite mesurer ce qu'on appelle le watch time, donc c'est le temps moyen passé sur une vidéo, ce qui est la donnée la plus importante d'un point de vue du SEO, donc côté Google, côté YouTube. Et puis on vient aussi mesurer l'impact sur la conversion. Alors comment on fait ça? En fait, on vient pour un même parcours utilisateur, isoler deux populations, ceux qui vont voir une vidéo dans leur parcours d'achat et ceux qui vont pas voir la vidéo dans le parcours d'achat. Et ceux qui ont vu la vidéo dans le parcours d'achat, on vient mesurer en fait leur conversion en opposition à ceux qui n'ont pas vu la vidéo dans le parcours d'achat. Et ça, on mesure l'écart type et on est capable de mesurer pour, voilà, en moyenne, en 2020, c'était plus 68% d'augmentation du taux de conversion.
entre ceux qui voient des vidéos consommateurs. Je dis des vidéos consommateurs, hein, dans l'analyse de la data, c'est important parce que on oppose ici le user-generated video avec le brand content, donc les contenus qui sont créés par les consommateurs et les contenus qui sont créés par les marques. Ce qu'on a vu, et je l'ai mesuré moi-même étant de l'autre côté de la barrière à l'époque, notamment chez Cdiscount, c'est que les vidéos en fait des marques n'ont pas d'impact ou très peu sur les ventes, alors que les vidéos de consommateurs ont un énorme impact. C'est ce qu'on voit au quotidien. Donc voilà le type de data qu'on peut mesurer. Après, je peux aller plus. C'est-à-dire, pardon Julien, détail, juste pour parler des vidéos, parce que ouais. Pardon Julien, juste aujourd'hui les vidéos qu'on voit beaucoup, c'est évidemment sur Instagram des vidéos d'influenceurs. Aujourd'hui, ces vidéos consommateurs ont plus d'impact que les vidéos d'influenceurs, par exemple. Alors, c'est pas le même objectif. Déjà, quand on dit impact, l'objectif d'une vidéo d'un influenceur, l'impact, c'est d'aller chercher la vue. Donc, oui, les vidéos d'influenceurs ont beaucoup d'impact d'un point de vue des vues, puisque c'est la nouvelle forme de publicité, en fait, hein, les influenceurs aujourd'hui. On va mesurer l'audience et on les compare à des budgets publicitaires. Alors que nous, l'objectif, c'est pas de mesurer les vues. De toute façon, sur les sites e-commerce, il y a beaucoup de vues, la vidéo sera beaucoup vue aussi. Et bon, c'est cool, mais c'est pas une finalité en soi, parce qu'on va pas chercher de l'audience. Là, on va plutôt mesurer effectivement le taux de conversion. Et une vidéo d'un consommateur, c'est clair et net, aura beaucoup plus de conversion qu'une vidéo d'un influenceur. Parce que c'est l'objectif recherché ici, c'est vraiment l'authenticité. Quand vous nous dites 68%, c'est votre meilleur chiffre publicitaire finalement pour Tister. Enfin, quand vous annoncez à vos clients 68% de conversion, c'est considérable. Alors, c'est 68% d'augmentation de conversion. Hein. Ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. C'est énorme. Oui, bien sûr. Si on avait 68% de conversion, je pense que c'est important. Vous pouvez nous donner un exemple ou deux de clients qui, effectivement, ont vu leur taux de conversion augmenter. Bah, tous. Sur des produits très différents. Tous nos clients voient leur taux de conversion augmenter. Alors, plus ou moins, en fonction de la typologie des produits, plus on a des produits avec un besoin d'explication fort, une technicité forte, plus on va avoir besoin de réassurance, plus on va avoir des produits aussi avec un cher, bah plus on a besoin de réassurance, donc plus on va augmenter dans le taux de conversion. Mais même avec des produits, je dirais plutôt basiques, dans le prêt-à-porter, etc., on a déjà des super taux de conversion à deux chiffres. On travaille avec Petit Bateau, on a voilà des taux de transfert à deux chiffres, avec Leroy Merlin, avec Castorama, avec Brico Dépôt, avec Mano Mano, Weber, etc., etc. Voilà, pour faire pas mal de citer pas mal de noms. Mais au-delà de ça, pour reprendre la question que vous posiez tout à l'heure, c'est une super publicité, effectivement, d'annoncer ces taux de transfo, mais ça ne s'arrête pas là non plus. C'est-à-dire, l'objectif, avant tout, quand on crée des vidéos de consommateurs, c'est aussi de pouvoir humaniser les marques, de pouvoir montrer des visages en fait sur les fiches produits, là où les fiches produits sont aujourd'hui assez aseptisées. En fait, hein. On a des photos, on a du texte. Là, ça rend justement beaucoup plus de dynamisme dans le parcours d'achat et ça met des visages de consommateurs directement aussi au cœur de la stratégie des marques. Donc, c'est là aussi extrêmement intéressant pour elles. Et en complément de ce que dit Julien, d'ailleurs, juste en commentaire, Stéphane, je trouve que c'est un super levier également pour engager les collaborateurs et les employés des marques et des enseignes qui sont d'autant plus fiers de voir aussi le client final exprimer tout ce qu'il pense d'un produit. Et c'est assez fantastique de voir ça. Ouais. Et du coup, on n'a pas travaillé, mais c'est une bonne transition, Julien. Du coup, effectivement, et maintenant, on met à contribution aussi les collaborateurs. C'est-à-dire que les collaborateurs étaient extrêmement contents de voir que leurs consommateurs prenaient la parole en vidéo. Et depuis début de l'année dernière, qui a été largement renforcée par la crise qu'on connaît, on met à contribution aussi les collaborateurs. Donc, ce qu'on appelle de l'employee generated video, où en fait, là, ce sont des vendeurs de Leroy Merlin, par exemple, ou de Petit Bateau ou autres marques, qui vont réaliser des vidéos, en fait, pour apporter leur expertise sur les produits. Là, on cherche plutôt les vidéos d'inspiration, de tutoriels. Par exemple, avec Leroy Merlin, on engage des collaborateurs qui font des tutos sur comment faire une table basse avec deux palettes et trois clous. Et puis, ils font des petites vidéos qu'on présente comme ça pour inspirer des consommateurs et donner un conseil en magasin qu'on a un petit peu moins en ce moment et pouvoir justement digitaliser l'expérience d'achat à travers également les collaborateurs. Thierry, bon retour parmi nous. Je pense qu'on va vous entendre un petit peu mieux. Comment ça se mesure le ROI avec la solution de Mediatek? Est-ce que c'est finalement, on l'a entendu ce matin avec NG Home Service, seulement le NPS? Non, alors c'est pas uniquement le NPS. J'espère que vous m'entendez des mots tout à l'heure. Je suis désolé pour la nuisance tout à l'heure.
On va dire avec les mêmes techniques que dans le digital, si ce n'est que les techniques sont... C'est même pire. Désolé Thierry, mais vraiment, on ne vous entend pas bien. C'est même moins bon que tout à l'heure. Il n'y a pas de volonté de vous censurer, hein, je vous rassure. Mais, vraiment, ce n'est pas bon. Est-ce que je vous laisse peut-être la parole dans ce cas-là pour autant profiter de, des aventures qui ont un son propre comme vous pouvez être comme je m'attends pas. Je suis désolé, alors je ne sais pas s'il y a un moyen de vous avoir en audio seulement, un téléphone, on va peut-être essayer de vous envoyer un numéro, je ne sais pas si on peut, mais en tout cas, en audio comme ça avec la vidéo, ça sera très compliqué. On va enchaîner avec Julien. Les performances chez Avis Vérifié, comment vous les mesurez, c'est uniquement la conversion? Bon, après... Ce matin, Total Direct Energy, Thierry Moussu nous a expliqué que la remontée des avis vérifiés en dessous des offres, ils avaient fait nettement progresser. Oui, non, mais ça, c'est maintenant une évidence. Je veux dire que les avis clients amènent du ROI. Donc, c'est certain que la façon dont on mesure ça avec nos clients, c'est déjà de partager des chiffres sur 5 indicateurs majeurs. Et c'est peut-être ce qui est important de retenir là pour la solution à vérifier. Le premier, il est certain, c'est un élément de ROI fantastique, c'est l'augmentation du trafic et des visites sur un site internet ou même d'ailleurs dans un magasin, hein, de par la mise en avant d'avis clients, parce que voilà, Google favorise les commerçants qui ont des avis récents, nombreux, pertinents, ça on le sait. C'est quelque chose qui marche très bien. Et donc, on a quelques exemples clients chez Avis Vérifié comme Total Direct Energy, effectivement, qui a amélioré de 25% ses positions SEO et qui a boosté voilà, son trafic de 40% grâce à ses nouvelles positions dans les trois premiers rangs des listes réponses Google en référencement naturel. Après, on a beaucoup d'exemples hein, aussi dans la distribution automobile avec l'augmentation de trafic, cette fois-ci grâce au positionnement des avis clients sur Google My Business. Et puis, on a aussi des entreprises qui font le choix, et ça, c'est intéressant, de l'omnicanalité, hein, comme Animalis, qui va jusqu'à afficher les avis clients en fait sur les produits qu'ils décident de mettre en avant dans le magasin. Donc là, je dirais, c'est pas digitalisé, mais justement, c'est sous forme de papier de manière assez brute sous le produit et ça marche très bien. Voilà, donc, et on a aussi voilà, T de la Pagode qui utilise ses avis clients dans les campagnes d'acquisition Facebook ou dans ses catalogues papier. Donc, on voit aujourd'hui que les avis clients sont très visibles de partout pour les entreprises qui ont effectivement compris que ça génère du trafic. Après, le deuxième indicateur. Ouais, Stéphane, vous avez une question peut-être? Pardon. Non, justement, vous parliez du SEO et du SEA. Donc, vous nous dites, et Julien peut aussi le confirmer sans doute, que ça se mesure. On voit les impacts clairement. Oui. Mais alors, ça se mesure, c'est pareil. C'est qu'il faut s'arrêter un instant T, regarder ses positions SEO, son trafic SEO, installer et implémenter les avis clients et voir justement l'écart et l'incrémental que peut générer les avis clients qui, de toute manière, encore une fois, hein, influencent de toute manière à la décision. Et ça, on le sait, quoi. 88% des Français déclarent être influencés de par les avis clients. Donc, on sait que c'est quelque chose qui fonctionne. Après, il faut qu'il soit crédible. Voilà, il faut quand même qu'il soit vérifié, justement, certifié. Il faut qu'il soit nombreux. Il faut qu'il soit récent. Il y a d'autres paramètres, mais c'est certain que ça marche très bien. Le deuxième indicateur, c'est... aussi, pardon. Pardon, oui. Non, allez-y. Julien, je vous laisse terminer. Je donne la parole à Julien Chevalier après. Bah, je ne veux pas être trop long, mais après, c'est l'augmentation des taux de clics également. Donc là, on parlait de trafic. Ensuite, il y a beaucoup plus d'interactions et donc d'engagement au travers de clics. Hein. Donc là, on a but. On a un client qui a doublé voilà, son taux de clic. Donc, sa volumétrie, justement, de clics grâce aux avis clients. Donc, lui, il hésitait, en fait, entre implémenter une solution de chat pour répondre aux interrogations de ses clients. Et finalement, il a décidé de sélectionner la solution d'avis clients parce que le contenu est accessible à tous les internautes. Et il est également conservé, justement, pour le référencement naturel. Donc, c'est pour ça qu'il s'orientait sur une solution d'avis clients.
Après, c'est certain que la conversion est boostée. Hein. Julien en parlait avec les vidéos. C'est vrai aussi avec les avis clients sous forme de texte. Hein. Donc, on a Iri Jardin qui a augmenté sa conversion de 27%. Il y a beaucoup de cas d'augmentation de la conversion. Après, dans la conversion et l'augmentation de la conversion, il y a un cas client que je souhaiterais mettre en avant, c'est ceux comme Maxi Coffee et Iron qui ont décidé d'implémenter des modules de questions-réponses pour que justement les consommateurs, enfin un consommateur, vous visitez le site de Maxi Coffee, vous voulez poser une question sur un produit. À ce moment-là, justement, Avis Vérifié va solliciter des clients qui ont acheté ce produit-là pour qui viennent répondre à la question posée par un prospect ou par un client qui n'avait pas acheté ce produit-là. Et donc ça, ça crée de l'engagement et du communautaire au sein des clients de la marque. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et on a des taux de conversion voilà, qui ont été boostés de plus de 45% sur ces cas clients. Après, sur les deux derniers, on a la hausse du panier moyen parce que c'est vrai qu'un client engagé, génère des revenus supplémentaires. Donc, nous, on a mesuré que ça générait en moyenne 23% de revenus supplémentaires parce qu'il y a cette réassurance et que les avis rassurent. Et pour finir, il y a le taux d'abandon de panier qui est réduit aussi. De par la présence d'avis et de commentaires clients, on voit que les clients s'engagent plus dans le parcours client sur un site web. Et puis, il y a le taux de réachat aussi qui est favorisé. Et là, Grain de Malice voilà, a vu son taux de réachat aussi progresser de 20% sur une période donnée parce qu'ils avaient une meilleure analyse et une meilleure lecture des retours clients. Donc voilà, c'est sûr que là, bon, je partage beaucoup de chiffres, mais il y a autant de KPIs que, je veux dire, que de problématiques clients. Maintenant, c'est vraiment les cinq indicateurs majeurs, je dirais, qu'on peut mesurer efficacement pour parler de ROI quant à une solution d'avis client. Aurore, vous, quels sont les indicateurs qui permettent de mesurer l'efficacité de votre solution? Est-ce que c'est justement le déclenchement de l'achat dont vous parliez tout à l'heure, par exemple? Alors oui, ça peut en être un. Je rejoins Julien, effectivement, à savoir que le feedback client et l'expérience client, c'est un sujet finalement vaste quand on regarde l'intégralité des parcours. Donc, à chaque étape, en fait, un peu son indicateur de ROI. Ce que je voulais compléter aussi sur les notions de ROI par rapport au feedback client, MyFeedback a un connecteur, on n'est pas les seuls puisque du côté de Teaser, c'est également vrai. Nous avons un connecteur avec la solution Content Square et ce qui est extrêmement intéressant pour le calcul du ROI, c'est d'avoir grâce à ce connecteur la capacité à faire remonter les feedbacks de ses clients, donc les niveaux de satisfaction. Vous parliez tout à l'heure, Stéphane, de la note NPS, le Net Promoter Score, de faire remonter ces informations-là directement dans Content Square pour avoir une analyse pas seulement comportementale du parcours, mais aussi basée sur le déclaratif du client. Et là, par exemple, identifier très simplement les natures de parcours qui ont généré des détracteurs, les natures de parcours qui ont généré des promoteurs et ramener ça aussi au taux de transformation. Donc, voilà, c'est assez réjouissant de voir qu'aujourd'hui, les solutions interconnectées entre elles vont pouvoir permettre d'aller chercher une meilleure maîtrise du ROI. C'est intéressant, Julien, ce que tu dis, Aurore. Ouais, puisque du coup, là, Content Square intervient en tiers de confiance. Et j'annonçais tout à l'heure la méthodologie qu'on utilise en fait pour analyser l'impact sur le taux de conversion. Content Square utilise une autre technologie, hein, l'A/B test que tout le monde connaît maintenant. Et du coup, ils interviennent surtout en tant que tiers de confiance. Et là, c'est hyper intéressant pour les marques ou les distributeurs, puisque du coup, c'est un autre opérateur en fait qui analyse ces data et qui est capable de leur montrer par A plus B que ça fonctionne et qu'il y a du ROI. Et aujourd'hui, voilà, le ROI encore plus dans ce contexte, c'est hyper important. Donc voilà. Et peut-être pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Julien sur le, je sais pas, vous allez me tendre la perche peut-être, Stéphane, sur la partie sur les vidéos. Oui, tout à fait, parce que c'est important aussi. En plus, on a la chance d'être accompagné de manière assez active par Google. Et Google nous aide à mieux utiliser leurs solutions parce qu'ils se sont bien rendu compte en fait que les vidéos consommateurs, comme je vous disais tout à l'heure, sont celles qui ont le meilleur watch time, donc celles qui engagent plus les communautés, celles qui sont les plus vues et engagent le plus encore une fois.
Et donc, du coup, on crée des connecteurs pour diffuser automatiquement les vidéos qui sont produites par les consommateurs via Teaster sur les chaînes YouTube également des clients. Parce qu'aujourd'hui, les chaînes YouTube avec le e-commerce devient de plus en plus imbriqué, hein, comme le e-commerce global qui est maintenant de plus en plus éclaté. On peut acheter sur le marketplace, on peut acheter sur InstaShop, on peut acheter sur Google Shopping, voilà, on peut acheter un peu partout. Et on peut acheter là de manière expérimentale sur YouTube également. Et donc, du coup, le fait de créer des connecteurs aussi qui permettent de diffuser les vidéos automatiquement sur YouTube va permettre d'augmenter ce qu'on appelle le VSEO, le vidéo SEO. C'est le référencement directement sur le deuxième moteur de recherche au monde que YouTube. Et donc ça, comme le disait Julien tout à l'heure, on est capable de l'analyser voilà, en avant-après sur l'impact que auront les vidéos sur certains mots-clés de recherche, etc. Ça, c'est pour la partie vie SEO. Et pour terminer sur cette partie SEO, on analyse aussi l'impact des vidéos sur le référencement des fiches produits, donc là directement sur Google, et aussi de ce qu'on appelle les vidéos dans les résultats en rich snippets, donc en contenu enrichi dans les résultats de Google. On est capable de mesurer aussi ces retombées-là dans le SEO. Je vous rappelle, pour ceux qui nous regardent, vous pouvez bien sûr poser vos questions par l'intermédiaire du chat. Alors Thierry Aubert, on n'a pas réussi à le retrouver. En revanche, on a un remplaçant de luxe. Pascal Lannou est avec nous en plateau, puisqu'il y était déjà depuis ce matin, directeur de la stratégie de Skipr. Je reviens juste sur Mediatek, puis après je voudrais qu'on élargisse un peu à l'engagement client en général et ce que ça représente. Sur la solution Mediatek, c'est seulement le NPS, l'indicateur principal ? Non, alors déjà, avant de répondre, j'ai un aveu à faire. J'ai saboté l'ordinateur de Thierry. Vous aviez un besoin de caméra, d'image, de lumière. Un besoin d'image, ce matin, ne me suffisait pas. Donc, je pense que ça n'étonnera personne parmi mes camarades ici présents. Au-delà du NPS, il y a un score qu'a créé vraiment Mediatek, dont une des spécialités, c'est le conseil et le prescriptif, parce que finalement, avoir des résultats, so what, j'en fais quoi après? Et en fait, ils ont vraiment créé un score qui s'appelle le Customer Net Engagement Score, c'est-à-dire ils arrivent à transmettre aux marques l'information, l'intention de réachat d'un client ou son intention, de récurrence. Et ça, c'est extrêmement très précieux. Important. Ouais, voilà. Parce qu'on a parlé du déclenchement de l'achat avec notamment Aurore, mais le réachat, c'est la preuve ultime de l'engagement. Exactement, l'engagement, de la fidélisation et savoir prédire et mesurer ce potentiel de réachat chez un client, c'est extrêmement précieux. Parce qu'en fonction des résultats, vous allez pouvoir adapter vos contacts, vos campagnes d'activation, réactivation, marketing en fonction de ce score. Il y a aussi les opportunités commerciales que peuvent générer les verbatim. Thierry en a parlé ce matin avec NG Home Service. Ça, c'est aussi un ROI. Oui, c'est un ROI. C'est ce qu'évoquait aussi Julien Raymond à l'instant. C'est-à-dire que finalement, les avis clients ne sont pas qu'un élément de réassurance. C'est aussi un élément pour éclairer les consommateurs dans leur achat et les guider dans leur bon choix. Ils permettent aussi aux sociétés d'identifier dans les verbatim des opportunités commerciales, des contacts. Exactement, des recontacts nécessaires, justement, qui peuvent être inhérents à de l'insatisfaction, même s'il faut savoir gérer les deux. Enfin, un client très satisfait, c'est aussi un client auquel il faut adresser des messages particuliers pour le maintenir engagé, justement. Julien Raymond, un avis négatif, c'est aussi une forme d'engagement client, puisque le client, finalement, a pris le temps de s'exprimer. Oui, complètement. Enfin, je pense que c'est même utile, dans le sens où ça amène à se faire une idée plus précise aussi de ses produits, réduire le risque d'incompréhension, donc de déception avec ses clients, et aussi de le réengager, parce que justement, il a pu exprimer du négatif. Donc là, on a aussi des équipes qui permettent de répondre à ces avis négatifs pour justement aller un peu plus loin. Et ça peut même donner lieu aussi à des systèmes de réengagement au travers de chèques cadeaux ou de choses qui permettraient de réengager le client et de le faire revenir. Oui, tout à fait. À travers le négatif, c'est intéressant aussi. Oui, Julien. Ouais. On parle de négatif, c'est intéressant aussi à travers les vidéos, puisqu'on se rend compte que les vidéos sur lesquelles il y a un meilleur taux de transformation, c'est pas les vidéos qui sont 100% positives.
Ce que veut le consommateur d'ailleurs, c'est être éclairé justement dans ses achats, être informé au maximum. Et en fait, on se rend compte que une vidéo qui fonctionne, c'est une vidéo où il y a du pour, il y a du bien, il y a aussi certaines limites, voilà, sur une typologie de produit, sur un aspect du produit. Et ça renforce la crédibilité. Et en fait, cette crédibilité va permettre d'augmenter la conversion. Et ça, on est capable de le mesurer. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il ne faut pas être dans le 100% positif. Le négatif a vraiment du bon. Et c'est pour ça, d'ailleurs, là, vous parliez de médiathèques qui sont, Thierry l'expliquerait très bien, mais dans le prescriptif, c'est-à-dire qu'ils sont justement dans cette analyse-là qui permet de déduire et de mettre en place des plans d'action. Donc, ils sont dans ce conseil-là. Et moi, je dirais, il y a deux tendances là qu'on peut voir aussi aujourd'hui, hein. Deux tendances fortes, hein. C'est tout l'aspect smart data avec ce qu'expliquait Aurore, hein, de l'analyse sémantique, de l'interprétation justement de ce qui est positif ou négatif dans les feedbacks et ce que ça peut générer comme action de la part du commerçant. Hein. Et puis deuxièmement, c'est une tendance très forte, bah, je pense que Sarah Diane l'a très bien expliqué aussi, mais cette mise en relation des clients avec des clients. Donc là, moi je l'exprimais au travers de la solution vérifiée avec le module questions-réponses. Mais ça va aller beaucoup plus loin. Ça, on est dans l'émergence d'ailleurs d'un nouveau parcours client, quoi. Des clients qui parlent à des clients qui sont complètement désintermédiés de la marque et qui parlent entre eux de leur satisfaction produit, c'est quelque chose de très fort. Ouais. Thierry est de retour. Il n'a pas voulu laisser toute la lumière à Pascal. Thierry, on refait un dernier essai de son avec vous. Tout à l'heure, on a commencé à parler justement des KPI. Est-ce qu'il finalement, il n'y a pas autant de KPI qu'il y a d'objectifs par service entre le commercial, le marketing, l'expérience client? Alors, j'espère que vous m'entendez mieux cette fois-ci. Très bien, c'est parfait, Pascal. Thierry, pardon. Bon, parfait. Mais pour répondre à la question, effectivement, c'est une excellente question. Et c'est pour ça que lorsqu'on démarre des échanges avec nos clients et nos prospects, en général, on démarre toujours par être certain de bien comprendre quel est l'enjeu, quel est l'objectif. Et si on travaille sur des parcours orientés service client, on va fréquemment travailler sur des enjeux qui vont être liés à la réduction des coûts de non-qualité, la réitération, les coûts de réclamation, etc. Si on travaille sur le digital, comme l'évoquait Aurore tout à l'heure, on va travailler sur des problématiques d'augmentation des taux de transfo, etc. Si on travaille sur des problématiques d'achat en magasin, par exemple, on va travailler à nouveau sur d'autres sujets qui vont être liés au feedback client et à l'optimisation de toutes les visites en magasin et aux achats en magasin. Donc le ROI, il est vraiment à raccrocher de chacune des situations opérationnelles pour être certain d'être sur les indicateurs business qui sont les plus importants pour les entités opérationnelles avec lesquelles on travaille. Aurore, justement, à mettre trop d'énergie sur un indicateur, on risque de perdre en efficacité sur les autres. On met jamais trop d'énergie sur son taux de transformation, j'ai envie de dire. Mais oui, je pense que Thierry a des propos tout à fait justes. En tout cas, c'est ce qu'on a pu noter aussi dans notre expérience d'une dizaine d'années aujourd'hui, c'est que le cadrage des projets, des objectifs, des enjeux est essentiel quand on met en place une solution de voix du client et de mesure de l'expérience client, parce que le feedback client, c'est très addictif, hein. Une fois qu'on commence à avoir du feedback de ses clients, on souhaite que ça ne s'arrête plus et qu'on en ait le plus possible. Et donc, c'est très important de cadrer les choses en amont. Et je sais que, côté médiathèque et côté MyFeedback, on a aujourd'hui les capacités de cadrer et de faire en sorte que les projets puissent commencer sur des périmètres déjà les plus essentiels pour l'entreprise, sur des périmètres maîtrisés, puis grandir petit à petit jusqu'à la couverture globale du parcours. Oui, enfin, il y a deux ROI. Le ROI direct, en effet, avec là où toutes les solutions du groupe Skippers permettent un ROI quasi immédiat. Et puis, il y a l'autre ROI, le Saint Graal, qui est l'insight, l'enseignement, en fait. Qu'est-ce que la marque peut apprendre au travers des data, des multiples data mises à disposition par les différentes solutions, et donc anticiper son ROI de demain en améliorant ses parcours, mais pas que. Même au niveau des avis clients, on le voit quand les consommateurs laissent des avis produits, ça permet à un commerçant ou à un e-commerçant de détecter immédiatement quelle est la catégorie ou la sous-catégorie de produits qui est défaillante dans son catalogue et qui génère de l'insatisfaction, et donc il peut s'améliorer. Donc c'est un ROI sans fin
en fait, cette analyse, un ROI pérenne, en fait. Encore une fois, on parlait de clients contributeurs de valeur. Écouter le client, l'impliquer, l'engager, c'est déjà un client engagé est un client engageant. On le voit très bien avec Tister, en fait, et avec AviVérifier. C'est-à-dire que la contribution, les contenus de consommateurs sont réalisés par des clients engagés, mais surtout, ils engagent des prospects des consommateurs. Le ROI est là. Pardon, c'est une question un peu commune, mais l'engagement client, on peut dire que c'est une forme d'affection pour une marque. Comment ça se mesure, l'affection? Vous êtes capable, avec vos outils, de le faire? Je pense qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs angles pour répondre. Ouais, je vais donner en tout cas un premier élément de réponse. J'irais que plus que c'est à la fois l'affection, mais c'est également le fait de mettre de l'action dans cette affection, la transformer en action. Et plusieurs de nos clients considèrent par exemple que ne serait-ce que le taux de réponse à des enquêtes est une bonne mesure de l'engagement de leurs clients, de la manière que le taux d'avis publié spontanément, etc. Parce qu'il y a une différence entre, je dirais, apprécier une marque et l'apprécier au point d'avoir envie de faire quelque chose pour cette marque, de passer un petit peu de temps pour elle, de lui donner de la considération. Donc ça, c'est, je pense, une première marque et un premier témoin de l'engagement client. Quelqu'un veut compléter ou Pascal? Pour compléter sur un indicateur... très précis, on en parlait tout à l'heure, le Net Promoter Score. Je sais que beaucoup d'entreprises vont se concentrer principalement sur cette gestion des détracteurs, puisque c'est ce qui va impacter négativement le business, et c'est très bien. Mais souvent, ce qu'on recommande aussi, c'est de ne pas oublier déjà la catégorie des promoteurs, puisque eux, ce sont des personnes, comme le dit Thierry, qui vont pouvoir passer à l'action, qui sont plus facilement engageables dans un programme de parrainage, par exemple, pour diffuser la bonne parole et permettre l'acquisition de nouveaux clients. Ce sont aussi des populations qui vont générer beaucoup plus de réachats et donc être une manne de chiffre d'affaires aussi additionnelle. Donc, c'est des profils vraiment à pas oublier. Je pense aussi aux profils passifs. Souvent, c'est une population sur laquelle on ne sait pas trop quoi faire. Bah, finalement, c'est les promoteurs de demain. Donc, c'est aussi à travailler de façon spécifique et de façon précieuse pour permettre d'avoir aussi plus d'engagement sur cette population. Dans le chat, on a une question sur « Pourriez-vous revenir sur le connecteur Content Square et avec des exemples de ce que cela vous a permis d'avoir comme insight par rapport à un Content Square seul ?» Alors, Content Square, pour ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin, donc c'est une solution, vous a parlé de Sonia Waxel. Je vais résumer, je ne sais pas si je vais bien le faire, mais en tout cas, qui analyse les comportements des utilisateurs sur les sites web, notamment en analysant les mouvements de la souris, par exemple, sur le site et la manière dont le consommateur se déplace sur le site. Aurore, vous voulez répondre ou qui veut d'ailleurs? Oui, bah en partie, et puis je vais laisser Julien compléter sur Tister. Alors, côté MyFeedback, ce qui va être très intéressant, c'est que dans Content Square, déjà, il y a une analyse des parcours, digitaux et des comportements, notamment des mouvements de souris, comme vous le disiez, Stéphane. Ce qu'on va permettre, nous, c'est de rajouter de la compréhension sur ces comportements. Ah, bah à cette étape-là, sur cette page-là, j'ai une déperdition qui est extrêmement importante. Si en parallèle, sur cette étape, j'ai déclenché un questionnaire pour comprendre les raisons de ces départs, je vais avoir une donnée déclarative qui va me permettre, alors c'est pas forcément du verbatim, ça peut être aussi des questions à choix qui vont permettre de déclarer la raison du départ et du coup d'avoir une réponse à ces comportements et d'avoir la possibilité de mettre en place un plan d'action face à ces comportements de départ. Ça, voilà, c'est un des exemples. Et puis l'autre exemple que je citais tout à l'heure, en faisant remonter des notes de satisfaction ou des notes NPS dans cet outil Content Square, la capacité en un clic à créer des segments sur ces populations et à identifier les parcours qui ont permis de générer de l'achat sur des profils détracteurs, par exemple, ou qui ont permis d'identifier pourquoi des personnes à la base promoteurs ne vont finalement pas au bout. Voilà, deux types d'usage, c'est extrêmement intéressant et puissant ce qu'on peut arriver à faire et ce qu'on a prouvé chez nos clients aujourd'hui. Et chez Tister, Julien ? Et oui, pour compléter du coup les propos d'Aurore, on utilise aussi effectivement Content Square. Alors, il y a plein d'informations hyper intéressantes de la côté Content Square, évidemment. Et là, en fait, nous, on vient apporter aussi des informations
que nous obtenons du côté de Teaster. Et en fait, par exemple, du coup, on va avoir, nous, des données intrinsèques sur la vidéo. Comme je parlais tout à l'heure, le pourcentage moyen de visualisation d'une vidéo, etc., etc. Et en fait, avoir la possibilité de croiser ces données est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que Content Square va analyser les parcours d'achat. Nous, on va analyser spécifiquement les parcours côté visualisation de la vidéo. Et le fait d'avoir ces analyses croisées, amène encore plus de crédibilité sur la data et plus de pertinence. Voilà l'objectif. Juste pour terminer, est-ce qu'aujourd'hui, alors pardon, j'ai une question, c'est donc dans des mesures de satisfaction, mais pas que sur des acheteurs. Oui, effectivement, c'est pas forcément que l'acheteur qui est un bon ROI aura. Oui, tout à fait. L'objectif d'une mesure d'expérience client digitale, du coup, c'est pas que client, c'est aussi user, c'est sur les primo-visiteurs, sur les personnes qui sont en phase de transformation ou sur des personnes qui viennent d'acheter. Et là, on va plutôt travailler sur des pages de confirmation. Donc, il y a une vraie réflexion sur les différentes populations qui viennent sur le site et les différentes étapes à couvrir avec les questionnaires. Ce qui est certain, c'est que les avis, ça permet surtout aussi de recruter de nouveaux consommateurs qui connaissent pas le produit et qui ont besoin d'être rassurés au travers des avis. Donc, ça crée de toute manière beaucoup de nouveaux clients. Oui. On va terminer et on va y revenir avec Pascal dans un instant, dans la conclusion. Mais juste un mot, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des clients qui travaillent avec l'ensemble de vos solutions? Alors, on vient d'arriver, mais il y a des gens qui travaillent avec Teaster, Mediatek CX, Avis Vérifié, les trois. Est-ce que ça peut fonctionner, effectivement, les trois solutions ensemble, ou maintenant les quatre, donc? Oui, c'est le cas. Il y a beaucoup de complémentarité. Hein, je veux dire, donc on a des clients en commun. Après, c'est vrai que il y a un enjeu, de toute manière, de qualifier encore mieux les besoins au sein des marques et des enseignes et de leur donner cette vision, transversale du groupe, hein, et de vraiment... À répondre correctement et efficacement à tous les besoins identifiés. Donc, c'est sûr que les synergies, les ponts entre les plateformes et entre les offres, on est en train de les faire. Donc, on a des clients qui avaient effectivement souscrit à nos offres séparément, qui sont en train de comprendre quel sens on donne et quelle vision on a au sein du groupe. Et après, l'enjeu commercial, hein, je dirais, ça va être effectivement d'aller beaucoup plus loin dans la qualification des besoins et dans les capacités qu'on va pouvoir offrir aux marques et aux enseignes aussi à demain au travers des solutions du groupe. Merci beaucoup à tous les quatre de nous avoir éclairé sur vos actions respectives, vos solutions. Merci beaucoup Aurore, merci les deux Julien et merci à Thierry. On a finalement réussi à retrouver, à repêcher. Merci beaucoup à tous les quatre. Et dans un instant, la conclusion donc avec Pascal Anou, conclusion de cette journée. Mais avant cela, une dernière vidéo. Plusieurs clients de Skippers qui évoquent justement leurs enjeux liés à l'expérience client en 2021. Regardez. On recherche finalement trois choses. On cherche à optimiser la qualité de service qu'on délivre au meilleur coût. Donc ça, c'est de l'amélioration continue que nous permettent les feedbacks à chaud, hein, sachant qu'on suit aussi la partie satisfaction à froid, parce qu'on ne suit pas exactement les mêmes choses. Notamment à chaud, on regarde les clients qui sont en interaction avec nous. À froid, on regarde la totalité de notre base client. Donc ça, c'est déjà un élément important. Donc effectivement, optimiser nos process et nos coûts. Mais en réalité, ce qu'on cherche surtout à travers ce type d'indicateurs, c'est des indicateurs de prédiction de loyauté. Est-ce que le client a un risque de churn ou pas de churn? Il y a un risque et puis d'intention d'achat. En gros, donc c'est tout ce qui est coefficient d'appétence et d'attrition. C'est ça qu'on recherche au final. Après, ça va avec ces indicateurs-là. Alors, nous, en effet, on mesure évidemment la SAT à chaud et à froid. On a les outils pour faire ça, MyFeedback pour ne pas le citer. Et on a un certain nombre de questionnaires qui partent tout de suite post-événement qui nous permettent de noter la SAT et de collecter évidemment du feedback et ensuite d'améliorer les pain points. Et à froid, de la même manière, notamment la qualité produit. Aujourd'hui, ces promoteurs et ces détracteurs qui sortent du coup de ces questionnaires à froid. Et donc, on a bien un NPS, évidemment, qu'on suit dans ce contexte-là, comme le lait sur le feu, et qui est très, très bon, d'ailleurs. C'est vraiment... on en est très, très content et on a encore plein de pistes d'amélioration, mais il est déjà très bon. En fait, les éléments, aujourd'hui, elles sont collectées, en effet, très à part. Elles ne sont pas encore intégrées du tout dans un SI qui permettrait d'activer ces données facilement. 2021, on va en fait continuer à renforcer l'accompagnement de nos clients par la qualité de nos conseils, de nos services et faire que l'expérience client chez Lapeyre soit vraiment différenciante dans un domaine qui est parfois anxiogène quand on touche à l'habitation et à notre habitation de façon générale.
Dans les faits, c'est quoi? On veut continuer le travail fait ces dernières années. Ces deux dernières années, on a renouvelé près de 70% de notre gamme produit pour gagner en lisibilité et remettre à plat l'ensemble de tous nos prix. Nous avons continué et travaillé fortement sur l'efficacité commerciale en accentuant les qualités de conseil de nos équipes de vente. On souhaite maintenant remettre en avant les services et particulièrement la pause, avec une promesse forte qui ferait que choisir la paire serait l'assurance qualité d'un projet mené de bout en bout par une équipe de professionnels. Nous souhaitons aussi continuer à moderniser notre image et à toucher une clientèle plus jeune en utilisant le site web pour prendre et effectuer des rendez-vous à distance, par exemple. La vidéo, ça s'inscrit dans notre deuxième axe stratégique qui est la conversion. Et au sein de cet axe stratégique, la vidéo est clairement le prochain pilier de développement qu'on a identifié en termes d'axe d'amélioration pour nos licenciés. On va dire qu'aujourd'hui, nos licenciés sont tous convaincus qu'il faut aller sur e-commerce. Ils ont tous énormément progressé en termes de photos, mais sur la vidéo, ils n'y sont pas encore du tout. La question essentielle qu'on se pose, c'est effectivement sur quel produit l'impact de la vidéo sera le plus fort. Donc là, il y a une vraie attente qui reste liée à la conversion, mais en fait, c'est pour quel type de produit l'information aujourd'hui n'est pas suffisante pour convaincre le consommateur de passer le pas. Donc là, on reste quand même dans le traditionnel, mais dans le haut de cette courbe de progression dont tu parlais. Et il y avait aussi effectivement cette découverte de quel produit va intéresser quel type d'ambassadeur chez nous. C'est hyper challenging de livrer du meuble, hein, vraiment. C'est pas du tout le petit colis qui rentre dans ta boîte aux lettres, tu dois prendre rendez-vous, les gens achètent des meubles qui passent pas éventuellement par la fenêtre, ni l'escalier, ni la porte, etc. Tu livres à deux, tu rentres chez les gens, etc. Donc, premier enjeu, expérience livraison, et c'est là-dessus que se fera la différence vraiment demain en termes de fidélisation et de rétention des clients. Le deux, nous, c'est la qualité produit, évidemment. On fabrique et on design nous-mêmes 66% des produits qu'on vend. Donc voilà, c'est essentiel d'avoir des indicateurs qui nous permettent de suivre la qualité produit. Et le troisième, c'est tout ce qui va être vraiment post-achat, le service après-vente, la qualité de la relation au call center, les délais, etc. Donc ça, vraiment nos trois enjeux majeurs clients qu'on a adressés depuis que moi je suis arrivée en fait. Ce qu'on constate chez Contentsware, et notamment chez nos clients qui sont vraiment matures sur les sujets de données, c'est que toutes les données relatives au parcours client ne prennent vraiment leur valeur que lorsqu'ils sont exploités à des fins marketing ou commerciales, transmises à d'autres solutions ou plateformes qui vont être capables d'actionner en fait tous les insights qu'on a recueillis au préalable. Et d'ailleurs, chez Contentsware, c'est quelque chose qu'on a compris il y a déjà quelques années, et chaque trimestre, en fait, nous sortons de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits pour aller encore plus loin dans le scope de l'expérience. Je pense notamment à notre solution de mesure d'expérience en termes de e-merchandising qui va nous permettre d'aller piloter la performance des produits présents au sein d'un catalogue. On sait que le client adore parler, adore s'exprimer dès qu'on leur pose des questions. Ils adorent donner leur avis. On le voit sur les réseaux sociaux, lorsqu'on fait des lives, on le voit également sur les avis produits. Donc, c'est très important qu'ils se sentent aussi valorisés. Et ensuite, très concrètement, dans le point de vue business, d'écouter nos clients nous permet d'avoir une offre qui est adaptée aux besoins du marché. Pour transformer les clients en ambassadeurs, nous avons différents leviers. Nous envoyons des offres spécifiques par email ou par SMS aux clients. Donc ça peut être pour l'anniversaire, ça peut être pour des ventes privées. Nous avons également des événements très privés, une séance de dédicace avec une personne avec qui on a produit une collab en boutique. Ça peut être des événements divers aussi, de la personnalisation de produits en boutique. Il y a tout un panel. Dès lors qu'un client entre chez nous dans notre base de données, on va l'accueillir, on va lui proposer des avantages spécifiques. Le client engagé, à mon sens, c'est plutôt celui qui va parler de la marque ou qui va potentiellement la recommander, communiquer sur les réseaux sociaux, fournir des informations, donc, notamment répondre aux enquêtes. Lorsque vous avez des enquêtes, vous avez des fois des verbatims longs comme le bras, des clients qui racontent leur expérience de marque. Ça a énormément de valeur pour la marque, à la fois en termes d'insight, mais aussi évidemment en termes d'image de marque. On peut se servir de ces témoignages clients ou des retours clients. Donc les verbatims, c'est du texte. Et c'est là où il y a à la fois un peu de text mining qu'on peut faire. Donc être capable de prédire ou d'estimer en tout cas
la typologie d'insatisfaction ou de satisfaction, bien sûr, d'une personne à partir d'un verbatim. Il y a ça. Et puis, il y a aussi ce que je viens de dire, c'est-à-dire, c'est quoi le coût business du pépin que j'ai là? C'est quoi le coût business que j'ai parce que j'ai un problème dans mon moteur de recherche où les clients ne trouvent jamais ce qu'ils veulent? Ça me coûte combien, en fait? Voilà pour ces différents cas clients évoqués. On les remercie d'ailleurs d'avoir témoigné à l'occasion de cette journée. On arrive au terme d'Engage 2021 que vous a proposé Skippers toute la journée. On est encore avec Pascal Danou, le directeur de la stratégie, pour conclure cette journée en une quinzaine de minutes. Bon, Pascal, déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que le client prend la parole, qu'on la lui donne ou pas. Exactement. Oui, mais c'est ça. Il a pris les rênes, il a pris le pouvoir, et c'est quelque chose qui s'est accéléré, comme on l'a dit, avec la crise sanitaire. Et c'est tout. Encore une fois, quand on est une marque, ce qu'on ne peut pas empêcher, autant l'orchestrer, en fait. Donc, à partir du moment où les clients peuvent s'exprimer. Et en plus, il faut savoir que ce sont les clients les moins engagés, les plus détracteurs, qui déploient le plus d'énergie pour s'exprimer. Donc, autant jongler, alors d'une, les écouter tous, les satisfaits comme les insatisfaits. Les clients qu'Aurore désignait comme passifs tout à l'heure sont aussi une vraie richesse, une mine d'or à exploiter justement pour les réveiller et les engager. Et à partir du moment, de toute façon, le client s'exprime. Donc, autant lui donner la possibilité de le faire. Alors, non pas pour le contrôler, mais en tout cas pour pouvoir le guider et surtout faire en sorte que l'ensemble de ses clients s'expriment, notamment les promoteurs. On parlait d'attachement tout à l'heure, d'engagement, d'attachement. Et y a des clients qui sont prêts à vous promouvoir. Un promoteur, c'est ça, il parle de vous en bien à son entourage. Et certains sont prêts à le faire auprès de la terre entière. On le voit bien avec les vidéos consommateurs. Oui. On le voit aussi avec les avis clients qui, à 80%, sont positifs. Donc, on est rentré dans l'ère de l'UGC, donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le contenu généré par les utilisateurs. Mais la croissance, elle est exponentielle, hein. C'est qu'un début. Ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. En plus, si on se reparle de la vidéo, on voit qu'on est aujourd'hui de plus en plus mobile first, enfin depuis quelques mois, voire quelques années aussi. Et ce sont des formats, les vidéos et les avis clients qui sont, indispensables, qui se prêtent vraiment au mobile. On voit aussi tout l'intérêt que MyFeedback rejoigne le groupe. Ils sont très forts sur les dispositifs digitaux et le mobile. Donc, autant être là où sont les consommateurs. Ils arrivent sur les applications, on ne l'a pas dit tout à l'heure. Ils arrivent sur les applications mobiles. Mmh. Le client s'exprime, le client a envie d'être écouté. Il attend des preuves d'écoute et il attend des preuves aussi des témoignages d'autres clients. Je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, le mot orchestrer, parce que quand vous dites que les marques doivent l'orchestrer, c'est quelque part finalement une reprise en main des marques dans la relation avec le consommateur. On disait les consommateurs ont pouvoir, mais si les marques orchestrent, ça veut dire quelque part qu'elles reprennent un peu de ce pouvoir. Non, alors c'est du copouvoir. Enfin, on est dans du partage de pouvoir, et surtout, il faut savoir développer une capacité d'écoute et de donner la parole à ses clients. Mais encore faut-il avoir les outils. Et quand on est une marque, on n'est pas toujours outillé ou accompagné pour le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. La voix, la parole, c'est quelque chose qui se canalise, encore une fois, qui ne se censure pas, mais qui se canalise. Donc, autant l'orienter. Ouais. Donc, on a compris que les avis, les vidéos, les feedbacks, c'était des mines d'or. Bon, maintenant, il faut savoir exploiter le filon. C'est ça. Alors, encore une fois, c'est les marques ne soupçonnent pas toute la richesse dont elles bénéficient en étudiant et en connaissant mieux leurs clients. C'est ce qu'on apporte, c'est cette reconnaissance. On l'a bien vu, reconnaissance, il y a un jeu de mots dans reconnaissance. C'est à la fois la reconnaissance, je te reconnais, et la reconnaissance, je sais faire preuve de générosité. Oui. Et donc, c'est vrai que, la prochaine orientation du groupe Skipper, ce sera de pouvoir permettre aux marques d'aller encore plus loin dans la compréhension des data collectées via les différentes solutions que nous avons pu voir aujourd'hui pendant la journée, afin d'activer des programmes relationnels ou des triggers marketing plus pertinents, plus personnalisés, voire même individualisés. Tout ça pour une croissance
pérenne. Ouais. C'est ce qui est très marquant dans ce qu'on a entendu dans la journée, c'est qu'effectivement, on a compris qu'il fallait aussi faire vivre ces feedbacks, ces les vidéos aussi, les avis en interne. Et on n'a pas parlé dans la table ronde précédente, finalement, du développement de la culture client en interne. Ça fait partie du ROI aussi, quand même. Oui, clairement. Et c'est vraiment une des spécialités de Mediatek et de MyFeedback, c'est de diffuser cette culture client en interne et ce qu'on appelle la centricité client, qui du coup devient une preuve d'engagement de la marque vis-à-vis de ses clients. Encore une fois, on parle de clients engagés, mais il faut des marques. En fait, les clients sont aussi en attente de marques engagées qui font preuve d'engagement. Et donc là, on est dans du change, on est dans la transformation. Et ce qui est hyper intéressant, moi je l'ai vécu parce que j'étais de l'autre côté de la barrière il y a encore quelques mois, donc côté marque, côté annonceur. Il est toujours compliqué, en tout cas, d'évidencer ou de prouver le ROI de l'expérience client. Donc, tout le monde comprend au sein de l'entreprise qu'il faut, voilà, que c'est une valeur, l'expérience client, la centricité client, mais on l'oppose parfois à des sujets dits business. Et alors qu'en fait, l'expérience client, on l'a bien vu aujourd'hui, l'engagement client, c'est du ROI, c'est un sujet business. Et surtout, c'est un levier de croissance immédiat et pérenne. Avec le groupe, l'idée là, ce groupe que vous constituez, c'est d'avoir un seul point de contact, un seul point d'entrée pour plusieurs solutions. À terme, oui, progressivement, on va y aller très progressivement. Et d'ailleurs, on va se laisser guider par nos clients. Ce sont nos clients. C'est ça. C'est pas la solution, l'important, c'est le besoin. Exactement, c'est le besoin client. Et ce sont vraiment les clients qui nous drive dans les priorisations des synergies que nous mettons en place aujourd'hui. Oui. C'est quoi le point commun finalement de toutes ces solutions? Vous dites, j'aime bien cette phrase, aider vos clients à vous faire grandir. Ouais. C'est pas mal. N'ayez pas peur de vos clients, appuyez-vous, aidez-les à vous faire grandir, écoutez-les, prenez ce que vos clients sont prêts à vous transmettre. Et c'est un des points communs entre toutes les solutions. Je pense que vous l'avez ressenti aussi, il y a quand même un autre point commun qui est plus de l'ordre de valeurs partagées au sein du groupe, parce que vous avez pu échanger en coulisses et aujourd'hui avec différents interlocuteurs. Et je pense que ce dénominateur commun, il y a une vraie valeur. En tout cas, c'est une démarche qui n'est pas que business. Il y a une vraie valeur autour de l'engagement client. C'est ça. Il y a un engagement de vos équipes envers les clients. Exactement. Vrai. Et vis-à-vis des consommateurs aussi. Très important. Et souvent, enfin, toutes les solutions ont joué un rôle à un moment donné et continuent de le jouer au quotidien pour faire comprendre aux marques, pour déclencher justement cette compréhension et cette compréhension du besoin d'être à l'écoute des consommateurs, d'avoir cette conversation horizontale ou bilatérale que j'évoquais ce matin, de parler d'égal à égal. Parce que ça, c'est ce que ne supportent plus les consommateurs, en fait. Ce sont ces discours verticaux, qu'ils soient institutionnels ou des discours de marque aussi. Et ils veulent parler quasiment entre pairs à une marque et contribuer à son essor. Ça veut dire que là, aujourd'hui, qu'on travaille chez Tister, chez Mediatek, chez MyFeedback, chez Surprise, chez Ravi Vérifié, on doit connaître finalement les solutions des autres pour pouvoir proposer aux clients un vrai service, en tout cas complet. Alors, c'est une tâche à laquelle nous nous attendons. Bah oui, j'imagine. Et surtout qu'on a vu que nous avons grandi ces derniers mois assez rapidement avec toutes les différentes solutions qui nous ont rejoints. Mais oui, c'est un enjeu, en fait. C'est un enjeu de connaître les solutions des autres. Ce qui, en soi, n'est pas un problème, parce qu'à partir du moment où on est dans ce métier de la connaissance client, de l'engagement client, etc., il est assez simple, en tout cas, de se faire le porte-parole des autres solutions, parce qu'elles ont toutes un dénominateur commun. C'est la voix, la parole. Je dirais même que la parole est encore plus puissante que la voix. La voix, c'est un peu passif, mais donner la parole au client et l'écouter, elles partagent toutes ces valeurs. Ouais. Une dernière question. Être sourd au client, c'est de l'aveuglement? Alors, je vais essayer de voir si je trouve un troisième sens. Est-ce que c'est de l'aveuglement et manquer de, voilà, mauvais goût. Voilà, manquer de goût, ce serait de mauvais goût. Mais non, mais c'est être sourd aux clients, c'est malheureusement une impasse complète, une impasse dans laquelle les marques vont être placées par les consommateurs, en fait, tout simplement. Et par la concurrence aussi. Et je dirais même aussi par les collaborateurs qui aujourd'hui a envie de travailler dans une entreprise qui n'a que peu d'estime de ce que ses clients peuvent penser, vivre ou avoir envie de dire. Et on l'a entendu, hein, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, quoi. C'est maintenant qu'il faut le faire. Hier.
Hier, ouais. D'accord, très bien. Merci pour cette conclusion. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Stéphane. Merci à vous pour votre fidélité tout au long de la journée. Et bien sûr, vous recevrez d'ici quelques jours plusieurs liens pour vous connecter aux différentes séquences de cette journée, un lien vers les replays. Merci, passez une très bonne fin de journée. Au revoir. We'll be right back.